Voilà, j'étais à ça de louper mon avion. Mais bonjour. C'est bon. Je pars et je vous emmène à Singapour. Alors oui, je suis toute seule, mais je vais à Singapour. Ça s'appelle comment ça? Arabie Saoudite. Waouh, la grande roue! C'est la plus grande roue du monde. Le Marina Bay, les filles. Financial District. Oh là là, mais c'est tellement beau! Il paraît que j'ai un cadeau de bienvenue. Ouais. Rome du Tigre. Alors, elle va m'emmener faire une expérience de la boule. Par souci d'ouverture d'esprit et de curiosité, je vais faire du coup le test de la boule. Ça fait pas mal. Ah ouais, donc il faut savoir que Catherine est tout là-bas, le petit point noir c'est elle, et du coup je t'entends parfaitement, c'est incroyable. À Singapour, t'as pas le droit de fumer dans la rue, jeter un papier par terre, d'appeler un serveur comme ça dans un bar, de filmer certains endroits, de t'embrasser sur la place publique, et t'as surtout pas le droit de... consommer de la drogue. Voilà. Alors, elles m'ont survendu les jardins, ça a intérêt à être bien parce que moi, sinon je repars. Très très beau. Hello, ben voilà, je suis jour 2 dans le taxi et là je vais donc rejoindre mes hôtes et on va aller visiter un peu la ville. Je suis à Chinatown. Toujours prendre un petit déjeuner à base de café et de crevettes épicées. Ça va booster un peu la journée. Là, nous assistons à un contraste entre l'architecture moderne de Singapour et le temple traditionnel bouddhiste. Il n'y a pas à dire, je suis beaucoup plus grande que les Singapouriens. Il y a beaucoup de restes français. Un thé au gecko? Alors je suis actuellement à Londres. On est toujours à Singapour. Magnifique! Alors après Chinatown, je vous emmène à Little India. C'est vraiment une île où toutes les religions se côtoient. C'est impressionnant. Il y a des temples hindouistes, des temples bouddhistes, des mosquées, des églises. Tout le monde a l'air de vivre complètement en harmonie avec tout ça. Et ça, c'est vraiment chouette. Les gens sont super sympas, super détendus, super zen dans une grande capitale comme ça de business. Ben, ça fait super plaisir. D'accord, donc celui-là ne s'arrête pas. Je vais lui non plus. D'accord, sans façon. Non plus. Les gens sont super sympas. Mon hôtel est juste incroyable. Là, on est dans le quartier arabe cette fois-ci. Hello. Hello. C'est super mignon. Décidément, j'aime bien Singapour. Les petits déj singapouriens ressemblent à ça. On ne sait que choisir. La première fois de ma vie que je mange un pain bleu. Et j'ai bon. Ah, je voudrais bien un petit verre moi après cette petite nage. Excuse me, what's the typical Singapore cocktail? Je vous jure que je bosse ici. Je vous jure que c'est vrai. Yeah. It's easy, right? C'est exactement ce que j'ai fait. En plus lent. Sophie, tu peux me passer la crème lunaire, s'il te plaît? C'est toujours gênant d'être en peignoir quand les gens sont genre super bien sapés. Entre New York et Singapour.
C'est la première fois que je vois une voiture en macaron. J'ai trouvé le t-shirt avec toutes les interdictions. Donc pas d'animaux sauvages, pas de speech public, pas de skateboard, attention, 500 dollars, pas de pornographie, pas de chewing-gum, pas de chien. Wow, c'est chaud. Il paraît que la spécialité locale, c'est le durian. Et je sais pas pourquoi elles veulent absolument que je goûte. Je sens un peu le piège. Alors je crois que j'ai trouvé mon bonheur. Alors, un guide pour la méditation. Je pense que ça serait pas mal pour Audrey, ça. Des magnifiques loupiottes, en fait, avec un dragon dessus. Peut-être Marjo. Baume du tigre pour Natou et une pour Maud. Voilà, c'est ma dernière étape avant de prendre l'avion. Et je suis attendue, apparemment, en haut d'un building pour mon pot de départ. À croire qu'ils ont envie de fêter ça. Ça fait plaisir. C'est magnifique. Donc là, en fait, on fête mon départ, c'est ça? Vous êtes content que je parte? Ok, j'ai compris. Allez, à mon départ, à mon départ, d'accord. Allez, salut.